quatrième première. Nos voyages à traîne, les pays d'étoiles plus l'or. Bonjour à Torto. Bonjour à Torto. Nos années vont faire veille, comment est-ce qu'on vit que dans le temps? Il y a bras à main de sang. Nos semaines, ce n'est plutôt de gens, mais il n'a c'était un colère en 1932. Les temps astaient, foires différentes d'aujourd'hui, d'Astor, quoi. On allait à l'école à pied. D'école, l'école n'a c'était auprès de mon jeune. Les jeunes filles n'étaient dans le même école que les gamins. Pour aller à l'école, on chaussait des sabots de bois et on devait mettre un cache-poussière. Tout le monde avait le même. Pour une discussion, les riches et les pauvres font différence entre les écoles. Il y a une messe d'école pour les gamins et les jeunes filles pour les filles. Est-ce que ça nous t'aime, Luigi? Il fallait chanter au moins sa stèle de punition. Une martinelle et un tautrouche au bain une bonne dame sur le caisse. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a pas des enfants qui braillaient souvent. Pour écrire, pas des crayons ni des stylos. On se criait à vue une touche sur une ardoise ou à vue une plume sur une feuille. Non, dis non plus, non, t'as dit fort trop. Quelle affaire, et quoi t'as dit? La cloche! Pour sonner le début et la fin des cours. Ma bouteille d'encre. Ici, on a vu elle la fausse ardoise, hein, parce qu'elle est en carton. Alors, celle-ci, elle peut tomber, elle ne cassera pas. Par contre, elle va s'user beaucoup plus vite que celle-ci, qui, elle, évidemment, est en telle matière. On lève le doigt. Jeune homme. En bois. Certainement pas. Elle est sortie de bois, mais elle n'est pas en bois. Personne ne sait. Elle tire son nom de sa matière. Jeune homme, on se lève. Ben, comment ça s'appelle? L'ardoise. C'est en ardoise naturelle. Traîne vos ploveilles des musées, des toiles, des mailleurs, des trignoles. Nous avons eu vraiment de plaisir à Rouetti. Comment est-ce qu'on vivait dans les années 30? Quel différent! Dans vraiment de télévision, on y a des radios lithophones à Boël ou à vous de Chapon, hydrateur. On a terminé notre journée à vue des dieux en bois. Qui plaisir, un danger d'électricité pour bien s'amuser. On vous recommande de lever la traîne. On verra, vous allez passer des bons moments. La traîne fin.